Cute. Once I execute all my colleagues in the area, it's not easy because there are a lot of attacks today, and it's really important to have a lot of number of partners. So they know that it's really important to discuss about this topic. So first of all, let me thank all our influential speakers and the participants in the conference. It's an honor for me to be here, to be able to open this meeting, turning the spotlight on the humanitarian crisis that the Yemen is experiencing today, and that for too long has been ignored. Yemen has been the scene of the worst humanitarian crisis in the world for several years. The ongoing war has destroyed the infrastructure, the basic public service, contributing to the spread of a tremendous cholera epidemic. The situation is really dark, and the economy is on its knees. 60 million Yemenis don't have drinking water. 25% of children don't go to school. And 2 million people have been forced to leave their homes. These are staggering numbers. Even more disconcerting is knowing that a child dies every 10 seconds in Yemen. To pay the highest price of this war, in addition to children, are also women. Let's not forget that Yemen is a country of child brides, and this conflict has completely blocked all types of reform, going to downgrade their rights. Before leaving the floor to our guests, I would like to conclude by highlighting the key role that the European Union is having in this crisis. Since the start of the conflict in 2015, in fact, the EU has already allocated 710 million to strengthen humanitarian and aid in this country, allowing organizations active in the area to provide more food, health, service, housing, water, sanitation, as well as educational programs to protect the population. Of course, we must continue to be vigilant in the selection of organizations to be supported, as some could be linked to terrorist groups. The European Parliament, have a great responsibility. We must be the first guarantors of human rights. We must forward a negotiating table between the parties to the conflict, so that a meeting point can be found. The situation has become truly unsustainable, and we cannot allow people's rights to continue to be trampled territory. So I want to say thank you. Thank you very much. First and foremost, I would like to express my sincere gratitude to Fulvio Martuccello for organizing this conference and give us the opportunity to talk about one of the most important and tragic forgotten war like what is happening now in Yemen. Unfortunately, this war are not always in the news, and this war doesn't exist, but this war is devastating populations and devastating generations. Yemen will need ages to come out of this tragedy, because there will be generation lost. Yemen, one of the poorest Arab countries in the world, has been ravaged by a bloody civil war for more than 3 years, or more four already. Continued fighting has led the country to the verge of starvation, and according to the UN, could affect more than 4 million of Yemenis. An aid organization like Save the Children believes that almost 8,100 children under the age of 5 have died in these 3 years from acute malnutrition. To put this war in context, the conflict has its root in the Arab Spring of 2011,
when a rising force of the country authoritarian president Ali Abdullah Saleh to leave power in the hands of his vice president Mansour Hadi. It was assumed that the political transition would bring stability to Yemen, but President Hadi faced different problems, including attack by Al-Qaeda and a separatist movement in the south, corruption, food insecurity, and the fact that many military men were still loyal to Saleh. The situation in Yemen is, according to the United Nations, the worst humanitarian disaster caused by men. More than 6,800 civilians have died and at least 10,700 have been injured since March 2015. More than half of the deaths and injuries have been caused by airstrikes. According to the Human Rights Council, civilians have repeatedly been victims of relentless violation of international humanitarian law. Arbitrary detention, torture, and enforced disappearance are documented by the human rights groups and lawyers. Last year, cholera outbreak affected 1 million people. 2,000 died, many of them children. It was the largest and fastest epidemic ever recorded, and its rapid spread was due to the destruction during the war of sanitation system. About 70% of the population, 22 million people, need urgent humanitarian assistance, including 11.3 million in serious situations that require immediate help to survive. The deterioration of the situation is such that, according to the United Nations, there are 14 million people who suffer food insecurity, 8.5 million of whom get up every day without knowing if they will have at least 1 meal during the day. All these that we are talking about are numbers. We talk about million, 4 million, 8,000, 8.5, but we have to think that behind those numbers are people, are persons like us. Severe acute malnutrition treated the lives of more than 400,000 children under the age of 5. Only half of the 3,500 health facilities in the countries are fully operational, which means that 16.4 million people lack basic medical assistance. The war has also forced more than 3 million people to flee their homes. 2 million continue displaced. Given the fact that I am a member of the European Parliament, I am the Committee of Justice, Freedom, and Home Affairs. I'm also in the Committee as Women Committee and Equality, also the Committee of Human Rights, and in the Committee of Development. This Committee of Development has humanitarian, it has two commissioners. One is Mimica, and the other one is Christos Stalianides, and he's the Commissioner of Humanitarian Aid. And I know that Stalianides is very, very concerned. He's a politician, but he's a gynecologist, he's a doctor, and he's very, very concerned for the children. I know he's been in Yemen, and he's always trying to help. So we are really, really concerned for the victims and for this forgotten war that is destroying the population of Yemen and especially children. I think that we must be very concerned about the humanitarian aid, because there are a lot of humanitarian aid coming from Europe and a lot of projects, but it seems that healthy forces are blocking this food and some medical supplies. I think it's bringing to mind the situation we have in Venezuela now, because Maduro, we saw in television, well, we all could see the last week, on the 2nd, 23rd of February, how Maduro didn't permit, or the forces of Maduro didn't let the humanitarian trade coming into
into Venezuela, into in the frontier with Colombia, with medicine and with the food. And the soldiers or the paramilitary groups, they burned the medicine in front of the ill people. They burned the food in front of the hungry people. So for me, this is crime against humanity. I know Yemen is not in the International Criminal Court, it's not part of this, but we should bring those people to court in every place where crime against humanity and children are happening. Today, I would like to talk about the situation of Iranian women. Women who were on their way towards equality to men. Women who were more competent, brilliant, and advanced than ever. After the revolution of 79, these women suddenly became inferior creatures. They account for half of Iran's population and are victimized by a religious regime. The life of women in the Islamic Republic of Iran is imbued with discrimination under the veil of Sharia law. The hijab is mandatory. A woman is not allowed to work, study, or travel without her husband's permission. A woman can't divorce, only on exceptional conditions. After a divorce, a woman can't get custody over her children, not even when her husband dies. Then they are assigned to the father's family. Women inherit half of what men do, and women's testimonies in court only have half the value of men's. Under the civil code, a husband is accorded the right to choose the place of living and can prevent his wife from having certain occupations if he thinks it's against family values. The code also requires women to be submissive to men and specifies that they may lose their rights, including to maintenance, if they fail to respond to the sexual needs of their husbands. According to the laws of the Islamic Republic of Iran, which is based on the Sharia, girls can be forced into a marriage from the age of 9. Girls are also considered criminally responsible at the age of 9. Which is one of the reasons the Islamic Republic of Iran is world's leading executioner of children. Let me tell you something about some of the new limitations under his presidency. In 2014, the Ministry of Internal Affairs announced that the religious police opened more than 3 million files on women who didn't live up to regulations regarding clothing. Between March and November 2015, more than 40,000 cars were confiscated because the female drivers or passengers didn't wear their hijab properly. Now, they don't even give such statistics anymore because of all the criticism. Universities have introduced quota to limit the amount of girls. Girls used to constitute 67% of all students, but now their enrollment is limited to 50%. And all of this while there are no limitations for men. The law also bars women from working in certain professions except those deemed mentally and physically suitable for women. A broad formulation that may be interpreted as applying to a large number of jobs. Under Rouhani, there are also new limitations regarding music concerts. Female musicians who had already been banned from singing now even can't play an instrument. Every concert with female musicians is getting cancelled. Regarding politics, all 137 women who registered as presidential candidates were disqualified by the Guardian Council for the last elections. President Rouhani included no female minister in his cabinet, despite civil society demands.
The discrimination of Iranian women is also being carried forward into the sport arena. Women are being restricted in practicing sports under the pretext of them having to wear bothersome clothing. As if this is not enough, female fans are being targeted as well. Some did even serve a jail sentence because they wanted to attend a game. Until almost 2 years after the revolution, women could attend games in the stadium. It changed with the stadium ban for football games in 1981. In 2012, under Rouhani, authorities extended the ban to volleyball matches when it became too popular. Indeed, before this ban, one-third of the volleyball spectators in the Azadi Stadium with a capacity of 12,000 people were female. Iranian women are the only women in the world who are banned from their stadiums. The 2009 Iranian presidential elections were followed by massive street demonstrators under the banner of the Green Movement. The Green Movement reached its height when up to 3 million peaceful demonstrators turned out on Tehran Street to protest against the dictatorial regime. These manifestations, which lasted for almost 2 years, were bloodily suppressed. Despite the peaceful nature of the protests, the police and the Basij, a paramilitary group, suppressed them by using batons, sticks, and firearms. During these months, a lot of people were killed on the street. The most widely known victim was Neda Abasoltan, whose last moments were all over social media and broadcasted around the world. She was one of the many brave Iranian women who demonstrated in the streets against the daily violations of human rights by the regime and the lack of freedom. Another example of resistance of Iranian women are the number of confiscated cars and fires opened on women by the religious police because of bad hijab. These numbers clearly show that Iranian women don't want to live the way the government prescribes. There has also been a lot of protest against the stadium ban. From the day the stadium ban was implemented, women have made numerous attempts to protest against it. Today, the stadium has become a major place for women's civil campaign. The stadiums are one of the front line of women's campaign against gender discrimination. A fight that's supported also by lots of Iranian men. In December 2017 and January 2018, brave Iranian women took their headscarves off while standing on electric utility boxes across the country to protest against the compulsory hijab law. Images and videos of these protests were spread by social media and response. Those women suffered a bitter backlash from the regime, facing violent assault, arrest, torture, and other ill treatment. The Iranian court sentenced several of these women to imprisonment ranging from 2 to 20 years. Despite the risk taken off the headscarf in public is now a widespread action of protest and become a big movement. Nasrin Sotoudeh, a prominent human rights lawyer and winner of the European Parliament's prestigious Sakharov Prize in 2012, who was already in prison for 6 years at the time she won the prize, started a second term in prison in June 2018 as a punishment for representing one of the women who took her headscarf off while standing on an electrical utility box. Let's not forget, the hijab is not an innocent piece of clothing.
It is indeed the symbol of discrimination. The philosophy behind the hijab, or veil, doesn't acknowledge any freedom or equality for women. And while Iranian women are already fighting for 40 years against the hijab and risk up to 20 years of prison for taking it off, Western, yes, also European female politicians ignore the fight of the Iranian women against discrimination. By putting a scarf for their official visits to Tehran, they obey and kneel down for the Ayatollahs, who feel strengthened and are giving a very disappointing message to ignorance to the Iranian women who feel abandoned, but keep on hoping and fighting against any kind of discrimination. All of this shows that Iranian women will keep on fighting against the discrimination and restrictions who are implemented by the Islamic Republic of Iran. Unfortunately, until today, any form of protest is still violently suppressed by the regime. Iranian women need support from democratic countries, Western politicians, and international organizations. No society can develop as long as systematic discrimination of women is rule rather than exception. Regarding the problems of extreme Islamism the world is facing nowadays, it is even more important to support women who fight against this discrimination. The fight for equal rights corrodes Islamism to the core of its existence and will eventually overthrow it, because equal rights for women are incompatible with an Islamic state structure. A fight for women's rights as a fight against extremism. Better and more efficient than any army. I am confident that the fight for women's rights in Islamic countries and beyond can halt the lethal spiral of violence. Iran is the front line of the battle against Islamism, and Iranian women are the soldiers for freedom. If women win, the whole society wins. Thank you for your attention. Je vais effectivement ce matin, cet après-midi plutôt, vous parler du terrorisme iranien. Et je suis, d'abord, je vous remercie pour cette invitation. Ensuite, je suis particulièrement heureux de pouvoir en parler ici au cœur de la démocratie européenne, du Parlement européen, parce que le terrorisme iranien, le terrorisme des Mollahs, du régime des Mollahs, n'est pas seulement quelque chose qui dévaste le Moyen-Orient, qui vise Israël ou qui vise les pays du Golfe. C'est une expression violente qui est également présente en Europe. En 2018, nous avons eu une année particulièrement faste dans ce point de vue, puisque, je vais vous rappeler quelques petits incidents, le 16 janvier 2018, les services de sécurité allemands conduisaient dans plusieurs landers de la RFA une opération contre des centres et des personnes liées à la force Al-Quds, qui est la force spéciale des gardiens de la révolution iranienne. Ces gens étaient soupçonnés d'avoir conduit des opérations de renseignement contre des cibles potentielles israéliennes et juives en vue de commettre des attentats. Le 22 mars 2018, dans un pays qui n'est pas membre de l'Union européenne, mais qui est proche de l'Union européenne et qui a vocation à y entrer, en Albanie, un attentat visant des Moudjahidines du peuple, le MEK, attentat organisé directement par l'ambassade iranienne à Tirana, a été déjoué par les services de sécurité. Le 7 juin 2018, le gouvernement hollandais décidait d'expulser deux membres de l'ambassade d'Iran aux Pays-Bas, qui également était en train de surveiller des organisations juives, des intérêts israéliens et des organisations de l'opposition démocratique iranienne basées ou représentées aux Pays-Bas. Et finalement, l'affaire la plus importante, c'est celle qui a été déjouée à quelques kilomètres d'ici, le 30 juin 2018, quand la police belge, à l'issue d'une opération conjointe des services de renseignement belges, français et allemands, a intercepté deux citoyens iraniens, deux citoyens belges d'origine iranienne, pour être plus précis, qui se préparaient à partir pour Paris, pour Villepinte très exactement, près de Paris,
où il devait frapper avec un attentat à la bombe le meeting annuel des Moudjahidines du peuple, meeting qui rassemble des milliers de personnes et auquel participaient d'anciens ministres européens comme Bernard Kouchner, mais aussi par exemple Rudy Giuliani, ex-gouverneur de New York, ex-maire de New York et avocat personnel de Donald Trump. L'affaire était clairement à son dernier stade, puisque dans la voiture des terroristes, plutôt des agents iraniens, on a découvert une bombe en état de fonctionnement et un mécanisme de mise à feu. Dans cette affaire, un homme, Assadi, un diplomate iranien de très haut niveau, a été arrêté. Cet homme était basé à Vienne, à l'ambassade iranienne de Vienne, qui est aujourd'hui le centre névralgique du renseignement et du terrorisme iranien en Europe. Et c'est lui qui avait coordonné toute cette affaire sur ordre direct, je vais y venir un peu plus tard, des instances supérieures de la sécurité intérieure iranienne. Cet homme est actuellement à arrêté en Allemagne, parce qu'il avait oublié un détail, c'est que son immunité diplomatique se couvrait en Autriche, où il était basé, mais absolument pas dans un autre pays européen. Il a donc été arrêté par les Allemands. Malgré des pressions énormes, l'Allemagne, courageusement, a décidé de l'expulser vers la Belgique, plus exactement de le livrer à la Belgique, qui avait émis un mandat d'arrêt international, et cet homme est actuellement en prison. C'est la première fois, depuis des dizaines d'années, c'est même peut-être la première fois depuis toujours, que nous avons en Europe un haut diplomate iranien en prison dans une affaire de terrorisme, ce qui permet donc d'établir un lien direct entre l'État iranien et le terrorisme. Trop souvent, l'Iran, et j'y viendrai dans quelques minutes, l'Iran s'est caché derrière des organisations proches, comme par exemple le Hezbollah, libanais. Ici, nous avons directement le smoking gun, comme dirait nos amis anglo-saxons. Nous avons un diplomate iranien qui a été observé en train de remettre les explosifs, la bombe, au Luxembourg, aux deux agents qui devaient agir à Paris. Ce n'est donc pas un accident si nous avons eu ces incidents terroristes en Europe. Depuis sa naissance, le régime islamique iranien se perçoit comme une force révolutionnaire, une force qui a pour vocation de répandre, bien entendu d'abord de renforcer l'influence chiite dans le monde, mais également en tant qu'influence chiite, de répandre les vecteurs de la révolution islamique. D'ailleurs, certains dirigeants djihadistes sunnites ne cachent pas qu'ils ont été influencés par l'Ayatollah Khomeini et qu'ils ont été influencés par la pensée Khomeini, comme Khomeini lui-même avait été influencé par les frères musulmans qui sont de purs sunnites. Il y a réellement une interaction diabolique entre ces différents courants. Maintenant, l'Iran n'est pas. L'Iran est une grande nation, c'est une nation millénaire, qui est une culture, qui est une culture aussi de l'État, de l'administration. Donc tout ça ne se fait pas dans le désordre. Quand les Iraniens décident à un moment donné d'utiliser le terrorisme comme une arme, ils ne vont pas simplement se lancer dans l'improvisation. Il y a toute une machine, et c'est de ça que je vais vous parler pendant quelques minutes, il y a toute une machine qui a été mise au point, qui a été mise sur pied en Iran, de manière à transformer le terrorisme en un outil politique qui peut être utilisé au bon vouloir du guide suprême de la révolution et au bon vouloir du gouvernement iranien. Quand les Iraniens sont face à un problème en politique internationale, ils ont le choix entre plusieurs possibilités, comme tous les pays. La diplomatie, des pressions diplomatiques, le dialogue, mais aussi, chez eux, le terrorisme et l'action armée. C'est réellement un instrument de gestion des crises, comme la diplomatie peut l'être pour nous. Au sommet de cette pyramide sécuritaire, nous avons le Conseil national suprême de sécurité, qui est présidé par le président de la République, ce qui, comme tout le monde le sait, est aujourd'hui un modéré. C'est en tout cas ce que je lis régulièrement dans la presse occidentale, et qui est donc participe, donc non seulement participe, mais dirige les actions et les réflexions du Conseil de sécurité. Les membres du Conseil de sécurité, au nombre d'une douzaine, sont le président du Parlement, Ali Larijani, le ministre de la Justice, Sadek Larijani, qui par ailleurs est le frère de Ali Larijani, le patron, le chef des Pasdaran, des gardiens de la Révolution, Mohamed Ali Jafari, le ministre des Affaires étrangères, Jafar Zarif, qui nous a fait
il faut bien dire, beaucoup rire il y a quelques jours quand il annonçait qu'il démissionnait parce que le gouvernement iranien était trop soumis à la pression des extrémistes. M. Javad Zarif, se présente comme un modéré et présenté d'ailleurs par beaucoup de diplomates européens et par les médias européens très régulièrement comme un modéré. Javad Zarif siège en tant que ministre des Affaires étrangères au Conseil de sécurité. Il est associé et complice de toutes les actions terroristes entreprises par l'Iran dans le monde. À partir de ce moment-là, parler de modération semble évidemment un peu compliqué. On trouve également le ministre de l'Intérieur, le ministre des Renseignements et d'autres et des conseillers qui peuvent ou d'autres ministres qui peuvent être appelés à participer au débat si leur présence était nécessaire. Toutefois, pour qu'une décision du Conseil national de sécurité soit appliquée, elle doit, en dernière analyse, être approuvée, bien entendu, par le guide suprême de la révolution iranienne. Ce régime clérical reste un régime dans lequel il n'y a pas de séparation des pouvoirs, bien entendu, et dans lequel l'appareil sécuritaire et l'appareil religieux sont profondément et étroitement mêlés et liés. Il est intéressant ici de souligner rapidement que le corps des gardiens est également une puissance économique majeure. Particulièrement depuis la naissance du programme nucléaire iranien, des centaines, sinon des milliers d'entreprises iraniennes de toute taille sont passées sous le contrôle direct du corps des gardiens. Ce qui permet à la fois aux gardiens d'assumer, d'offrir à leur cadre supérieur des postes qui permettent de toucher des rentes, puisqu'il y a évidemment dans ce régime une corruption énorme, des rentes de situation, mais également d'avoir accès à des technologies, d'avoir accès, d'être une épine dorsale du régime. On est encore plus. Je crois que le terme épine dorsale est juste. On est à la fois en face d'un corps militaire, d'un corps idéologique et d'une puissance économique. Le corps des gardiens de la révolution est central dans l'organisation stratégique et sécuritaire, si on peut dire, de l'Iran. À l'intérieur du corps de la révolution, vous allez trouver un directoire du renseignement. Ça aussi, c'est une caractéristique des régimes totalitaires. Vous avez le ministère de renseignement, mais les gardiens de la révolution ont leur propre service de renseignement. Il y a d'ailleurs des cadres qui agissent dans les deux structures. Donc ça permet à ces structures de se surveiller mutuellement, bien entendu, de joindre leurs efforts pour avoir une force de frappe supérieure, mais également de se surveiller. C'est une garantie, une assurance vie pour le régime qui évite ainsi toute possibilité d'avoir un moment le développement d'un coup d'État ou d'une révolution de palais à l'intérieur des services de sécurité. Il contrôle la force COS. La force COS ce sont les forces spéciales, en fait, du gouvernement iranien à travers le corps des gardiens de la révolution. La force COS, tout en étant subordonnée aux gardiens de la révolution, répond directement aux ordres du guide suprême. Vous avez donc cette complexité qui fait cet enchevêtrement qui fait que le mécanisme de décision, en dernière analyse, revienne toujours au même niveau, le sommet du pouvoir, le président de la République en tant que président du Conseil de sécurité, modéré donc, et le guide de la révolution. Nous avons, à partir de ce moment-là, la possibilité, depuis des années, de voir quelles ont été les actions de la force Al-Qaïda au Moyen-Orient, dans la commission d'attentats contre les forces américaines et françaises au Liban en 1983. Dans toute une série d'actions terroristes, dans les attentats contre la communauté juive et l'ambassade d'Israël en Argentine dans les années 90, dans une tentative d'attentat contre l'ambassade israélienne à Londres, à la même époque. La force Al-Quds est présente, ou la main de la force Al-Quds, si je puis dire, est présente derrière chaque action terroriste iranienne depuis 40 ans, comme l'est la main du ministère de la Sécurité. Maintenant, la question, bien entendu, c'est que... La question qu'on peut se demander, c'est pourquoi est-ce que l'Iran, qui depuis des années essaie de nous faire croire à sa modération, et essaie de nous faire croire que le programme nucléaire est terminé, essaie de nous faire croire que son seul but est de s'intégrer dans le concert des nations, pourquoi est-ce que l'Iran a pris le risque en 2018 de commettre des attentats terroristes, d'essayer de commettre des attentats terroristes, plus exactement, en Europe? La réponse est simple. Il y a des raisons à tout. Les choses ne sont pas sans raison. Si on prend les attentats qui ont été dirigés, les tentatives d'attentats qui étaient dirigées contre l'opposition, contre le Conseil national de la résistance iranienne,
et le maître, le moudjahidine du peuple, mais on est simplement dans la nécessité quasi stratégique pour les Iraniens, pour le gouvernement iranien, de détruire un quartier général de l'opposition, alors que depuis des années, l'opposition tente dans la rue de protester contre le régime. Dans cette opposition intérieure iranienne est très largement indépendante. Elle est formée par des femmes, elle est formée par des hommes, elle est formée par des étudiants, elle est formée par des gens qui n'ont pas d'idée politique, si ce n'est de combattre un régime totalitaire, si ce n'est de combattre une théocratie. Mais dans les fantasmes du régime iranien, les moudjahidines du peuple, le maître, sont la main invisible de l'opposition, et ils pensent que s'ils peuvent tuer des gens du maître, des cadres du maître, s'ils peuvent supprimer totalement éradiquer le maître, les moudjahidines du peuple et le conseil de la résistance, ils en finiront en opposition. D'abord, de mauvaises nouvelles pour le gouvernement iranien. Premièrement, nous n'arriverons pas à éradiquer l'opposition extérieure, le conseil national de la République de la résistance, et deuxièmement, de toute façon, la résistance de la société iranienne ne s'arrêtera pas. Donc, c'est sa nature. On ne peut pas renoncer à sa nature, on ne peut pas tourner le dos à sa nature. La nature du régime iranien est d'être oppressif pour les femmes, d'être oppressif pour les jeunes, d'être antisémite et d'être un régime terroriste. C'est chimique, c'est de l'ADN, c'est chimique et biologique. Pour terminer, évidemment, la question c'est quelle réponse? Que devons-nous faire? Je pense que la réponse est très claire. Il ne s'agit pas de répéter les erreurs qui ont été commises dans d'autres pays en 2003 et de lancer une grande armada internationale contre l'Iran, parce que pas une très bonne idée, et ça ne servirait à rien, et ce serait aussi punir le peuple iranien. Ce qu'il faut faire, c'est adopter une politique de sanctions claires en Europe. Exiger de la part des Iraniens de renoncer au terrorisme. Exiger des progrès réels et vérifiables sur les droits de l'homme, sur les droits des femmes, sur la liberté d'expression. Exiger que ce régime accepte enfin de changer, et plus d'ailleurs précisément, si possible, accepte, parce qu'il ne changera pas, de quitter le pouvoir. Seule une politique de sanctions ferme pourra arriver à ces résultats. Et là, avec ces attentats qui ont été commis en Europe, nous verrons les résultats du procès qui aura lieu en Belgique, soit à la fin de cette année, soit au début 2019. Une fois que les condamnations sont tombées, une fois que judiciairement il aura été prouvé que l'Iran a tenté d'organiser un attentat vilain sur le sol français au départ de Bruxelles, nous aurons, il y a déjà eu quelques sanctions, quelques expulsions, mais nous aurons la possibilité d'exiger que l'ensemble des diplomates et personnes de nationalité iranienne dont il est prouvé qu'ils sont liés à l'appareil de renseignement iranien ou aux gardiens de la Révolution, à l'ensemble de la sphère sécuritaire iranienne, soient expulsés d'Europe, soient interdits de déplacement en Europe, et soient, et que leur bien entendu, comme c'était le cas pour certaines entités en France, certaines personnes, soient gelées. Je pense que face à ce régime, seule l'histoire nous l'a prouvé, si on ne veut pas répéter tragiquement ce qu'on a connu depuis 40 ans, seule la fermeté paiera, et c'est donc à la fermeté que nous devons appeler nos gouvernements. Je vous remercie. And now we say in the region of Iran and about the violent extremism, and let's welcome the French writer and scholar Mr. Frédéric Ancel, who has just arrived from Paris. Thank you for coming. Another French speaker is going to intervene in French. Frédéric Ancel is a French writer and scholar in geopolitics. He teaches international relations at the ESC, the business school in Paris, and he's a senior lecturer at Paris Business School and the author of so many books on geopolitics in the Middle East and a very specialist in Iran. Frédéric Ancel, the floor is yours. Merci beaucoup. Nous sommes là réunis autour d'une bonne cause, celle de la lutte contre l'extrémisme, et en particulier l'extrémisme lorsqu'il est proféré et j'allais dire appliqué, car ce ne sont pas que des mots, par une puissance, et j'ajoute une puissance montante. Je voudrais me consacrer, si vous voulez bien, aux fameux 3 H, c'est-à-dire, non pas les H comme l'historien, représentait, oui, l'histoire avec sa grande hache, mais les haches initiales des 3 principaux groupes combattants aujourd'hui au Proche-Orient qui tous entretiennent une dimension terroriste, à savoir le Hezbollah libanais, le Hamas palestinien et les différents groupes, car il y en a plusieurs, comme vous le savez, outils au Yémen.
Premier point, et en guise d'introduction, je voudrais citer un très grand géopolitologue, qui aujourd'hui s'est retiré, qui a écrit une quarantaine d'ouvrages, un géopolitologue français, et néanmoins ami, François Actual. Il y a quelques années, François Actual me disait, tu te rends compte, pour la première fois depuis la basse antiquité, la Perse remet les pieds en Méditerranée orientale. C'est intéressant, parce que ce qu'il appelait bien évidemment la Perse dans cet entretien personnel, c'était aujourd'hui l'Iran, et au fond, pourquoi pas, sauf que le régime actuellement au pouvoir est un régime, je crois que ça a été dit, qui manifeste un expansionnisme et surtout une capacité de nuisance depuis maintenant 40 ans, presque jour pour jour qu'il est au pouvoir, qu'on ne peut pas nier. Et cette capacité de nuisance et cet expansionnisme s'exprime à travers des alliances, à travers l'instrumentalisation d'un certain nombre de thématiques, et notamment l'instrumentalisation du chiisme, ou de l'axe en tout cas chiite, ou du collectif chiite face non seulement à l'islam sunnite, mais bien évidemment à ce que les Iraniens appellent, le régime iranien appelle fréquemment les croisés et l'entité sioniste. D'abord le Hezbollah. Chronologiquement, c'est le soutien le plus ancien, car le Hamas n'a pas immédiatement bénéficié du soutien iranien. L'Iran en 79, l'Iran des mollahs, d'autres chats à fouetter. En revanche, le Hezbollah est créé de toutes pièces en 1982 par le régime iranien. À l'époque, beaucoup d'observateurs, et d'observateurs de bonne foi, je ne parle pas de militants pro-iraniens, même s'ils existent et qu'ils sont nombreux, mais des militants de bonne foi considèrent qu'au fond, la communauté chiite libanaise a souvent été, depuis très longtemps, été méprisée, maintenue au second plan par d'autres communautés du pays du Sahel, qui n'était pas un État indépendant, en tout cas de cette région, et du Charme de manière générale, de la Grande Syrie de manière générale, et notamment laissée à l'abandon par les deux principales autres communautés préexistantes dans ces régions, à savoir les chrétiens maronites d'une part, et les musulmans sunnites d'autre part. Et c'est exact. Les chiites du Liban, comme dans d'autres régions du Moyen-Orient d'ailleurs, et c'est vrai jusqu'au Ouazara de l'Afghanistan, étaient considérés comme des citoyens, comme des sujets de son moment. Le problème, c'est que la propagande de l'Iran a joué là-dessus, sur la promotion d'une communauté qui avait été abandonnée, notamment sur le plan social, pour l'instrumentaliser et pour faire de ce parti, le parti de Dieu, voilà, un instrument non seulement de conquête, pas seulement d'influence, mais un instrument de conquête et un instrument, et je reprends mon expression, lié à une capacité de nuisance non seulement sur le Liban et au sein du Liban intramuros, mais sur l'ensemble du Proche et du Moyen-Orient. Alors plusieurs points. Le plus récent, et on l'a vu ces dernières années, le Hezbollah a été l'instrument majeur, je dis bien majeur, de promotion de Bachar el-Assad. Et Bachar el-Assad en Syrie, en 8 années, c'est la guerre civile et la guerre qu'il a lui-même enclenchée après des manifestations dont vous vous souvenez qu'elles étaient pacifiques en Syrie au début du printemps arabe en 2011, eh bien, il a été directement ou indirectement ce régime de Bachar el-Assad responsable de la mort violente d'entre 400 et 500 000 personnes. Vous vous rendez compte qu'en 7 ans, 8 ans de guerre civile et de guerre en Syrie, nous avons là l'équivalent de 4 à 5 fois plus de tués qu'au cours des 70 années de conflits israélo-arabes. Toute guerre réunie, toute confrontation réunie. C'est vous dire la violence extraordinaire entretenue par ce régime. Or, sans le Hezbollah, il est vraisemblable qu'en 2012, 2013, peut-être encore 2014, eh bien, Assad serait tombé, abandonné par l'immense majorité de la population dont il avait en principe la charge. Le Hezbollah, ça a été le fer de lance fantassin, en quelque sorte, sur le terrain de la lutte contre les opposants, dont je m'empresse immédiatement de dire que tous ne sont pas des grands progressistes, c'est le moins qu'on puisse dire, mais là n'est pas la question aujourd'hui. Le Hezbollah a été l'instrument actif, agissant, efficace, percutant de l'Iran dans la région. Et d'ailleurs, si Assad a été aussi important pour la Syrie pour l'Iran, pardon, des Mollahs, c'est bien évidemment parce que c'était le seul, et ça reste à ce jour le seul pays arabe officiellement allié au régime iranien. Et ça a été vrai depuis 79, 79-80.
puisqu'à l'époque, évidemment, l'ennemi de mon ennemi étant toujours mon ami, l'Irak de Saddam Hussein était, correspondait à l'ennemi des deux régimes. Et voilà que cette politique de renforcement, de constitution puis de renforcement du Hezbollah a été payante, puisque Assad a littéralement été sauvé. Et du coup, Assad ne peut pas, évidemment, déroger à son obligation, à savoir d'autoriser la création en Syrie de bases militaires iraniennes. Ah, écoutez, ça c'est extrêmement intéressant. Si je suis dirigeant iranien, pourquoi je vais à grands frais tenter de m'installer de manière définitive, non plus seulement sur une base prétendument promotrice des chiites dans la région, le problème n'est pas du tout là, en Syrie. Pourquoi vais-je installer des bases militaires dotées de rampes de lancement de missiles de courte et de moyenne portée sur le sol syrien? Je ne le vois pas, je ne vous cache pas que là il y a quelque chose qui m'échappe. En réalité, évidemment, ça ne nous échappe pas. Il s'agit de l'expression la plus claire de l'expansionnisme iranien dans la région, puisque ces missiles sont capables de toucher l'intégralité de la région, y compris de la zone maritime est-méditerranéenne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, toujours concernant le Hezbollah comme instrument, nous avons là un véritable point d'ancrage avec le port de Beyrouth. Aujourd'hui, le Hezbollah maîtrise une partie des activités portuaires et en réalité aéroportuaires de Beyrouth. Alors, l'ouverture que ça lui donne en Méditerranée, elle fonctionne de deux manières. D'abord, vous avez la possibilité pour un certain nombre de navires prétendument commerciaux ou de navires réellement militaires de mouiller à Beyrouth. Bon, ça, c'est quand même extrêmement embêtant. Je me permets quand même de rappeler ici, même si je n'ai pas besoin de le faire, que la Méditerranée, et la Méditerranée orientale notamment, est déjà une zone extrêmement dangereuse de confrontation entre les forces de l'OTAN et plus particulièrement les forces américaines, d'une part, et d'autre part, les forces russes, qui ont ô combien tenté, bien évidemment, avec succès, de conserver leur base à Tartous, c'est d'ailleurs de la doubler avec la Takhir. Donc ce point d'ancrage, il fonctionne, je vous le disais, de deux manières. C'est-à-dire qu'il s'agit de se projeter vers la Méditerranée et de pouvoir accueillir également sur le sol libanais, Si tant est que le Liban est encore un État souverain, peut-on douter tout de même avec la puissance, la puissance de feu, la puissance politique de l'État dans l'État qui est le Hezbollah pro-iranien, donc d'importer des choses au Liban et par là même dans l'ensemble du Proche-Orient. Je m'empresse d'ailleurs de faire une petite incise. Il m'a été donné de voir avant-hier soir un film, me semble-t-il, tout à fait réussi, qui s'appelle Le Chant du Loup, alors qui concerne les sous-marins nucléaires et les autres sous-marins français. Mais les premières scènes, je ne veux pas spoiler, comme disent les jeunes, mais les premières scènes sont tout à fait intéressantes parce qu'elles mettent en scène une intervention iranienne extraordinairement efficace et extraordinairement dangereuse. Nous sommes bien évidemment en Méditerranée orientale. Parenthèse fermée. Troisième point, le Hezbollah pour l'Iran est un point de cristallisation extrêmement fort à la frontière libano-israélienne. En droit international, depuis son retrait définitif du 25 mai 2000, Israël ne contrôle plus aucun espace situé sur le sol souverain du Liban. Je n'invente rien, plusieurs résolutions des Nations Unies, du Conseil de sécurité des Nations Unies, ont validé cette réalité. Mais le Hezbollah considère que les fermes de Sheba sont encore occupées, ce qui lui donne un prétexte pour maintenir une tension à la frontière. Quand je dis le Hezbollah, c'est bien évidemment son maître, le pouvoir de Téhéran, qui impose le maintien de cette tension. I would like to underline, which is the creation of a real emergency concerning food security. As a member of the ENVI committee, I am extremely involved in public health matters, as the serious one we are discussing today. The lack of food is the most serious problem Yemen is currently facing, a risk involving 14 million people that contributed to the outbreak of major diseases. Although the markets are functioning, financial access to food is very worrying. The factors driving the food emergencies are numerous. The restricted access to major commercial hubs, aggravated by the unpredictable exchange rates, is making imports and distribution of basic food
it is extremely expensive. Water and power plants, factories, markets, and shops have stopped functioning in many locations. Furthermore, the drastic decrease of incomes and increases in commodity prices contributed to reducing population ability to buy food. The European Union has played a leading role in the support to the Yemeni humanitarian crisis since 2015, allocating specific funded projects for treatment centers and preventing activities in collaboration with partner organizations. Just a few days ago, the Commissioner for Humanitarian Aid and Management, Christos Stylianides, has announced in Geneva the European Union intentions to provide 161.5 million euros in humanitarian aid to Yemen for 2019. I additionally learned with great satisfaction that my country, Italy, will support the civilian Yemeni population with a contribution of 5 million euros. I am convinced that what Commissioner Stylianides, our Commissioner Stylianides, and the Hague Institution declared is a strong and positive sign of the moral commitment of the international community towards a population in great difficulty. We thus have a real chance to stop this cycle of violence and prevent an imminent catastrophe. Thank you all for participating this day and welcoming the European Parliament.